mi-temps, Orléans, l'OLB mène 30 à 23. Ça a été difficile, un match où il y a eu beaucoup de pertes de balles de part et d'autre, un match compliqué, et Orléans a fait le break dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Je pense qu'ils vont le tenir, parce que l'effectif de Nanterre est relativement restreint, même s'il y a des joueurs malins. Et puis on se rappelle qu'au match aller, ils se sont fait rattraper sur la fin, mais je pense vraiment qu'Orléans va tenir. Fin du troisième quart-temps, 49-41, Orléans a fait le break, je pense qu'ils vont tenir, ils sont plus forts, ils sont plus présents et il y a une dynamique positive. Voilà, c'est le match a plus de tenue qu'en première mi-temps. Très belle ambiance au Palais des Sports, 59-63 à 1 minute 32 de la fin. Le match est à son summum. Nanterre mène. Nanterre, une équipe très difficile à manœuvrer. Je pense qu'Orléans peut revenir. 64-61, l'OLB est tombé une nouvelle fois face à Nanterre, une équipe redoutable, une équipe difficile, jeune, mais qui a du talent et de la maturité. Ils ont fait feu de tout bois, et très adroit en deuxième mi-temps. Même si on n'a pas vu un grand match, on a vu une certaine efficacité. Aucun problème pour Orléans. Orléans conserve sa place de troisième. Ils termineront vraisemblablement, assurément, dans les quatre premiers du championnat. Et ils se positionneront pour les play-offs de façon forte. Je considère que c'est juste un faux pas. Il n'y a vraiment pas de souci pour l'avenir. Eh bien, je suis en compagnie de Serge Gouard, le maire d'Orléans, qui a comme invité ce soir Thomas Renaud, le gardien de football de l'USO Foot. Bah oui, c'est un super gardien et en plus, il est sympa. C'est un des piliers à la fois de l'USO et puis d'Orléans. Donc, ça fait plaisir. Moi, je suis content qu'il y ait ce côté... les footballeurs, ils viennent au basket. Il y a également des escrimeurs qui sont là. Voilà, c'est très sympa parce que c'est le sport orléanais dans son ensemble. Et c'est le sport orléanais qui gagne. Tout le sport se retrouve. Alors, Thomas Renaud, sa première licence, il l'a eue à l'USO Foot. Qu'est-ce que tu penses du basket ? Non, je pense que c'est très bien. Comme monsieur le maire il l'a dit, c'est la communion de tous les sports en général qui doivent se retrouver dans des événements sportifs comme aujourd'hui. Maintenant, moi je prends du plaisir à venir voir aussi l'entente, d'autant plus que les résultats sont là et puis il y a une ambiance très agréable. Alors une petite question, Thomas Renaud, l'année prochaine, est-ce que tu restes avec nous à Orléans ? À l'heure actuelle, on est en période de négociation. Je vais avoir en ma possession une proposition de prolongation de contrat que je vais étudier et puis moi mon souhait c'est de rester quand même ici parce que c'est de grandir avec ce club et puis arriver à faire venir autant de monde au stade qu'il y a au Palais des Sports pour faire grandir le club et puis la ville d'Orléans en même temps. Merci, j'espère que tu n'auras qu'un seul club et ça serait super. Évidemment, Serge Gouard, je ne peux pas ne pas te poser la question. L'Arena, alors c'est fait, ça va se faire ? Ça va se faire puisqu'on vient d'obtenir à la fois la labellisation, la reconnaissance d'intérêt général par le ministre et puis bien sûr la subvention de l'État, donc des 15 plus 5, des 20 millions. On parle des élections présidentielles, on parle de tout ce qui pouvait se passer et puis c'est la surprise à 48 heures des élections. C'est pas vraiment une surprise, en tout cas pour nous, parce que ça fait depuis le mois de mai 2011 que le dossier est déposé. Donc c'est une juste logique des choses que d'arriver à la conclusion. Ok, écoute, j'espère qu'on ira à l'Arena en 2015 alors. Logiquement, c'est à peu près le timing. Et que il sera invité pour l'inauguration. Ça c'est sûr. Merci. Christophe Boucher. Alors, encore un footballeur ce soir, Christophe Boucher, ancien président de l'OM. Le foot, le basket, tout se mélange. Tu aimes le basket ? Oui, j'adore ça. Je suis tourangeau. Donc, j'ai été élevé au basket. J'ai été élevé avec Tours champion de France. Le mythique ASPO. Tours. Le mythique ASPO, exactement. Qui reste vraiment très mythique à Tours. Donc, moi, je suis vraiment de la culture. J'ai été élevé au basket et au hockey sur glace, bizarrement. Oui. Donc, là, ce soir, venu sur Orléans, tu apprécies le match ? Disons que c'est un match important pour Orléans. Le match techniquement est assez moyen. Beaucoup de fautes, première mi-temps décevante, deuxième mi-temps pas très bonne non plus. Donc c'est pas un grand match, mais on voit quand même qu'Orléans a plus le niveau et va pouvoir faire la différence, ce qui est bien pour la suite. Nanterre devient le bourreau d'Orléans en deux victoires. Oui, deux victoires acquises avec beaucoup de suspense. C'est vrai que pour nous c'est que du bonheur parce qu'on est libéré maintenant. L'objectif qui était le maintien,
Et donc, pour nous, c'est des matchs un peu plus faciles à jouer, sans pression. On calcule pas et surtout, je pensais qu'on serait un petit peu en difficulté par rapport à l'absence de Johan Passav. Puis on a su faire les efforts. Tout le monde a fait un peu plus en défense notamment. C'est en défense que l'équipe m'a surpris ce soir. Alors, c'est quoi le secret de Nanterre? Il y a une âme, je trouve, quelque chose de fort dans ce club, dans cette équipe. C'est toi qui l'incarne? Non, je pense que si c'était que moi, ça serait trop simple. Je pense qu'on a un projet cohérent. On essaye de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Et puis après, cette année, on a tout basé sur le collectif. Et on l'a encore vu ce soir. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps notamment, le danger est venu de partout. De Corozine au troisième quart-temps, de Riley au quatrième qui avait presque pas joué. Je pense que le secret de notre équipe, c'est qu'on est capable de jouer avec beaucoup de rotation et personne ne se prend pour la star de l'équipe. Alors c'est une belle première saison et puis moi il y a un point sur lequel je tiens à te féliciter personnellement parce que je trouve que c'est un réel plaisir pour le basket français. Chaque année tu fais éclore des jeunes, je citais Jackson, je parlais de Moherman qu'on a bien connu et puis Evan Fournier et d'autres. Et je pense que c'est très bien pour le basket français, tu œuvres dans le bon sens. Bah, j'espère, je pense que moi aussi me le rendent bien, parce qu'à l'image de nos joueurs de cette année, Akono, Judith, Corozine, Passav, c'est des joueurs qui ont grandi avec nous, et puis on essaye de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils arrivent à progresser au quotidien. Continuez comme ça, je pense que vous êtes l'un des clubs qui a l'âme du basket français. Merci, c'est gentil. Merci.